Comme avant, les roses palpitent. Comme avant, on sent que c'est vrai. Finalement, maintenant, c'est les chrétiens crétins qui sont tranchés. On a acheté 2-3 bricoles. Le perpétuel. Le péritonite, il fait mal. Le péridural, bon, faut bien que ça sorte. Le perception, omelette, vous comprenez rien. Le perfusion, ça chauffe. Le perspicace, 314, 628, faire d'air et d'air. Et le plus permanent, 5 continents, trust. On a juste un bulletin qu'on a. Et après, le percevoir. Là, ça va, tout rentre dans le bocal. Ça rentre dans le bocal. Hein. L'essentiel, essentiel, sensoriel. Comment tu veux leur faire comprendre qu'ils ne sont pas acteurs de leur film? Chacun pense à sa gueule, l'autre met son casque, son truc, son micro. C'est fini. Il n'y a personne. Ça, c'est la pollution électromagnétique. C'est grave. C'est très grave. Manipulé, sous-manipulé, enfin, je sais pas, pire. On vous endort. T'as pris ton Seresta, t'as pris ton Prozium, t'as pris ton machin. Non. Moi j'ai bu un beaucoup et je t'emmerde. Tu vois, pas de cacheton moi. La nouvelle loi en même temps rajoute. Chaque truc d'élection, chaque truc de machin de. D'interception de. Trucs politiques de merde là. Comme ça là. Prise de sang obligatoire. Dès aujourd'hui, pour savoir les bêta-bloquants, mais qu'est-ce qu'ils ont pris pour pouvoir mentir à ce point-là, à leur peuple. Ah, ils doivent prendre des trucs. Hein. Mais si tout le monde fumait un bon joint et buvait un bon coup, il n'y aurait plus une pharmacie ouverte. Combien de fois que ça fait que je vous le dis? Sauf pour le gel à poufias, ou le vernis à ongles à poufias, tu vois. Le serpent qui se mord la queue. Je te rappelle que les laboratoires Bayer étaient à 100 mètres d'Auschwitz. Comme ça. En fait, bon, qu'est-ce que ça fait sur le corps humain? Bon, t'arraches un bras, t'arraches un truc. Oh. Ah, ça fait mal. Hein. Ah oui, ça fait mal. Espèce de bande d'enculé. Il y en a, ils sont incarnés, mais ils sont pas terrestres. Tu vois? Ils sont pas terrestres, c'est pas des humains. C'est des fils de pute. Ils sont tous au pouvoir. C'est pas qu'ils soient spécialement juifs, ou c'est pas qu'ils soient aussi. Bon, un peu. Bon. Ils ont quand même massacré leur peuple pour être moins nombreux, être plus riches. Il faut quand même le dire. Tu vois. Je t'explique, je m'énerve pas, j'explique. En fait, Jean-Phil vient de partir, bon, c'est un gros bœuf. Il est gentil, il est costaud. Il part avec ses oreillettes, il part, c'est. Voilà. Tu vois. C'est un Golgoth. Peut-être qu'au moment qu'il faudra se réveiller, peut-être qu'il va se réveiller. Pour être un bon garde du corps, pour être un bon quelque chose. J'en ai rien à foutre. Qu'ils viennent tous, là. Je surveille par miracle
C'est pas mal, c'est déjà bien, comme ça. Par contre, j'ai pas qu'on fasse chier. Bon, Jean-Phi m'a pas trop fait chier. Mais je ne suis pas sûr qu'il soit digne du rang d'être astropote, parce qu'il s'en bat les couilles de tout. Tu vois? Lui, c'est juste fumer bois, mais il s'en sert pas pour élever son esprit. D'ailleurs, personne ne s'en sert, vu que tout est fait en sorte pour que. Télé, médias, télé. Hein, pour que c'est complètement débile. BHL TV ou quoi. C'est les gens qui sont payés pour rendre les gens débiles mentaux. Tu vois? Et ils sont payés. Avec leurs dents Colgate, ils sont payés. Pour dire de la merde tout le temps, tous les jours. La météo, quelle enculerie. La météo, c'est moi qui règle. D'accord? C'est pas vrai. Il n'y a rien qui est vrai. Maintenant, ou t'es collabo, ou t'es résistant, ou t'es un histrion, ou t'es une merde, mais t'es une merde sinon. Tout en haut, tu diras, c'est des collabos. Des suppléants de Satan. Ok. Au milieu, il y a quoi? Il n'y a plus rien. Bientôt, il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus de milieu. Il n'y aura que des très riches et des très pauvres. Au milieu, ils comprennent rien. Ils comprennent un beignet. C'est comme Tata, c'est comme la cousine, c'est comme. C'est de la merde. Bon. Oui, alors, Jésus, homme au milieu des hommes. Ne leur pardonne plus, c'est des cons. Dis sionnés. C'est de la merde. Vous faites que de la merde sur Terre. Non, on va faire des mises à jour. C'est même pas des blaireaux. Non, je sais pas. À la limite, je préfère être pote avec un blaireau qu'avec un connard de formaté de merde. Mal formaté. C'est parce qu'on n'apprend rien à l'école, c'est pas de ma faute. Bon. Maintenant, je vais en traiter avec le ministère de l'Éducation nationale. D'accord. Ministère de l'écologie, bon, Hulot, tu ferais mieux de me répondre et de me parler parce que je suis ministre de l'Extérieur, tu sais. T'avais l'air sympa, Ushuaïa, mais c'est de la merde. Vous faites de la merde. Bon, l'autre, le gros colon, bah, c'est un gros trou du cul. Bon, okay. Macron en boîte sur Rothschild. Celui-là, il mérite des baves dans la gueule. Chaque fois que je le vois à la télé, j'ai une putain d'envie de mettre des gifles à lui, ce petit PD, là. Il est plus jeune que moi en plus. Si Diego avait le pouvoir, ce serait pareil. C'est pas vraiment un dictateur, mais c'est une sous-merde de l'humanité. Tu vois? Tu chauffes ou tu chauffes pas? Tu comprends ce que je te dis ou tu comprends pas, hein? Que je sois bleu, que je sois pas bleu, de toute façon, je dis toujours pareil. Tant qu'à faire, autant être bleu. Hein. Ah ouais. T'es d'accord? Ouais. Bave dans la gueule. Il n'y a pas besoin de Kalachnikov. Il faut désarmer les armées. Il faut une armée qui désarme les armées. Il faut des trucs, quoi. Bon, pour l'instant, j'en suis qu'à la deuxième loi planétaire. Et je t'emmerde. Pas le peuple, hein. Je t'emmerde, gens du pouvoir. T'en veux du colon du trou du cul, t'en veux de.
Ouais, El Khomri. Alors, qui est le père? C'est facile de se faire baiser à deux dans une prison, mais qui est le père? Un problème. Tu vois? L'espèce d'enculé de Fabius et son fils qui fait des tirettes à 200 000 euros, quoi. Il joue au poker sur ton cul. Bon, on n'en parle plus non plus. Parole de Cahuzac. Bon, tu crois quoi? Tu crois qu'il va en prison, lui? Franc-maçonnique sa mère. Ça va jamais en prison, ces gens-là. On les camoufle, on les cache. Je veux du cash. Pistache, je t'emmerde. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon. Ils reviennent de vacances. Bon. Le macro prépare sa rentrée. Bon. Qui laisse se faire enculer déjà? Moi, je prépare sa sortie. C'est très bien comme ça. En fait, les enculés du pouvoir, je les emmerde. Je suis pour tous les peuples. Le pouvoir part pour et avec les peuples. Et puis c'est tout. Et je t'emmerde. Espèce d'enculé à pognon. C'est clair?